Il y a quelques années, quand le projet a germé, je me suis orienté vers ce que je pouvais imaginer d'idéal. Et en fait, cet idéal, faut le rendre réalisable si on veut que le projet soit mené à bout, quoi. Voilà, du coup, plusieurs années plus tard, on a découvert les outils avec Delphine, ma femme. Ensemble, on a découvert quels étaient les outils qu'on pouvait mettre en œuvre pour arriver au résultat voulu. C'est déjà un projet commun avec mon mari. Et on a voulu faire une boulangerie un peu différente avec des pains qui soient bons et qui se gardent et que les gens soient contents. Aujourd'hui, quelques années plus tard, on a un projet qui a pris forme, qui est économiquement viable, avec une qualité de produit, avec une ambiance qui est construite autour de l'humain, aussi bien dans l'ambiance de travail qu'au niveau de la clientèle. Et c'est juste un émerveillement de voir que le tout forme un fabuleux écosystème. Et ce qui est marrant, c'est que la plupart de nos clients, quand ils viennent chez nous, ils se sentent bien. Ils disent, oh, c'est vachement zen, c'est vous, chez vous. Et je sais pas trop à quoi c'est dû, mais c'est peut-être ce côté un peu minimaliste. On a voulu que les choses soient claires, on veut pas trop d'informations pour pas brouiller l'esprit. Et c'est peut-être ça qui donne ce petit côté cocon. Alors bon, on a nos remises en question qu'on ne doit pas perdre de vue, parce que le projet doit être toujours en mouvance, toujours perfectible. Et ça demande de la persévérance, de la tempérance et puis du lâcher prise. Moi, j'aimerais que plus tard, en fait, pouvoir regarder l'entreprise et puis de pouvoir se dire partout où on nous avait mis des limites, où on nous disait que c'était impossible, où on nous disait que c'était trop compliqué, non, en fait, voilà, on y a mis du temps, on y est arrivé, quoi. On a mis de soi, on y est arrivé. Et que chaque personne qui sera passée dans l'entreprise, autant en tant que stagiaire, en tant qu'employé ou en tant que simple visiteur, ait apporté un peu sa propre pierre à la construction du projet, quoi.